mon âme, savez-vous ce que vous feriez si vous étiez gentille? Vous viendriez chez moi tous les deux, votre mari et vous demain. À 4h moins le quart, j'ai quelque chose à vous montrer. Avec plaisir. Ce garçon vous a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Mais il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il sera donc en retard que dans quelques secondes. Mais pourquoi quelques? Pourquoi lui faire un crédit? Mais il est en retard, ça y est. Eh bien, ça y est, il est en retard. Et puis après, en voilà une affaire. Il n'y a pas ça à fouler, là. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Tu crois qu'il aime les femmes? Ah oui, elles sont assommantes. C'est même inouï de penser qu'on peut adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. La plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Moi, je suis plus en état à présent de supporter des minots, de rider au pardon, je suis en retard. Oh, la voilà. Oh, ça, sûrement, c'est elle, sûrement. J'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Ben, avec l'Américain du Sud, parbleu. Elle ouvre la portière. Je vois déjà le bas de sa jupe. Oh merde, c'est un curé. Comment s'appelle-t-il? Mais il s'appelle, c'est simple, il s'appelle... Comment? Et attends, je ne l'ai pas encore dit. Croyez-moi, chérie, une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, même le sien. Le public n'est satisfait que lorsque la pièce finit par un mariage. Non, un mariage, oui. Il appelle ça une comédie qui se termine, alors que c'est souvent un drame qui commence. Mon Dieu, quelle âge a-t-elle? Il y a 84 ans. 84 ? Il y a 9 ans qu'elle vous a pas vu. Ça, c'est magnifique, parce que votre arrivée, vous lui foutez un coup, elle peut en mourir, elle vous êtes sauvé. Oh, ça sera trop beau. Non, il faut pas demander, impossible. Au revoir, cher ami. Au revoir.